suis en charge de la médiation. Je m'occupe des relations extérieures, notamment donc des écoles supérieures, tous les projets participatifs, ils sont très nombreux dans le FAB. Et je m'occupe aussi des bénévoles. Du coup, 350 personnes qui gravitent autour du FAB en tant que bénévole. Donc c'est un travail vraiment tout au long de l'année, ce que les gens ne voient pas en fait sur un festival, c'est tout ce travail. Quand on veut accueillir des compagnies étrangères d'Afrique du Sud, du Brésil, d'Australie, il faut organiser des tournées en France avec d'autres partenaires. C'est aussi 200-300 artistes qui gravitent sur le festival. Le QG, pour nous, c'est vraiment un lieu festif de rassemblement à la fois des spectateurs, des bénévoles, des participants. Par exemple, le week-end dernier, on était sur à peu près 2000-3000 personnes par soir. Il a fallu faire ses preuves. Le FAB, c'est un festival qui est quand même relativement jeune. La mairie a considéré qu'on avait montré notre capacité à accueillir du public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir cet endroit qui est vraiment stratégique en bas de Saint-Michel, vraiment très agréable. Non, je connaissais pas le FAB. Au lieu d'aller en ville, on a vu de la musique, on s'est arrêté. De prime abord, l'ambiance, elle est pas mal. Je pense que je pourrais revenir, ouais. Là, on vient jouer le Magic Mirror, c'est incroyable. La scénographie qu'il y a, c'est complètement dingue, quoi. Ouais, c'est la première fois, c'était hyper cool. Merci à Livebot, à Super Daron et aux FAB. C'est un concept qui est incroyable aussi, enfin, ça mélange tous les arts, la musique, le spectacle vivant, enfin, l'ambiance est super cool, enfin, on est bien reçus, tout le monde est gentil avec nous. Donc, ouais. Et puis même en tant que bénévole, on fait un peu toutes les missions. On a été aider les exposants là, sur le grand débarras qu'il y a juste derrière. On a fait de l'affichage, on a fait de l'organisation, on a fait de la brigade verte, on trie, on essaye un peu d'informer les gens sur ce qui se passe, comment bien le faire, et vivons ça ensemble. Revenez au FAB l'année prochaine.